Subjective, paradoxale, étonnante mais sincère, notre approche est guidée par les témoignages et les documents que nous ont proposés des familles qui vécurent au Congo belge pendant l'entre-deux-guerres. Chacune des expériences complète et nuance le propos. Par touches successives, les images, les souvenirs recomposent le grand puzzle de notre mémoire. Mon père est né à Louvain, bien que sa famille soit originaire de Saint-Léger. Et après la guerre, il s'est installé comme médecin à Floraville et il s'est spécialisé en ophtalmologie. Et puis, la vie étant difficile, il ne gagnait pas bien sa vie, il avait déjà 5 enfants, il a décidé de partir au Congo. Ce qui était un drame pour ma mère, hein, parce que c'était très mal vu par toute la famille partir au Congo à cette époque. Par une froide matinée de mars, je me suis vu sur le pont de l'Anversville, qui partait pour Matadi. C'était émouvant à ce moment-là, un départ pour le Congo. Tous les parents et amis pleuraient sur le quai. Au moment de lever l'ancre, on entonnait l'orchestre du bord, entonnait la Brabanson. On avait l'impression de vivre une aventure. On se demandait si on partait pour ne plus revenir. Évidemment, le Congo avait mauvaise réputation à l'époque. On prétendait qu'on ne partait là-bas que si on était au bout de toutes les ressources humaines ou économiques, ou qu'on ne partait là-bas que les desperados, ceux qui n'avaient plus rien à espérer, et qu'on en revenait imbibé d'alcool, pourri par le paludisme, et qu'on ne valait plus grand-chose. Mais enfin, ça avait un certain goût d'aventure, et j'étais tenté par l'aventure, et c'est ainsi que j'ai décidé de partir pour le Congo. Partir. Jusqu'aux années 30, seul le bateau assurait la liaison entre le Congo et la Belgique. Exploité par la compagnie belge maritime du Congo, les paquebots s'appelaient Thaisville, Anversville ou Elisabethville. Le passage de l'équateur était l'occasion de rompre la monotonie des 3 semaines de traversée. Le passage de la ligne signifiait aussi qu'on approchait du but du voyage. Quelles étaient les premières impressions de ces nouveaux arrivants? Comment découvraient-ils cet univers dans lequel ils devraient vivre pendant au moins 3 années? Il faisait chaud, bien entendu, mais il n'y avait rien de spécial. On arrivait dans un port, en face il y avait des grandes maisons, il y avait une banque, il y avait des magasins, et ainsi de suite. On se trouvait pas dans une forêt, on se trouvait dans une ville déjà. Petite ville, mais ville quand même. Le gouvernement siégeait à Boma. Léopoldville était la capitale, mais le centre administratif restait Boma, et le gouverneur général résidait à Boma. Et les coutumes, je dis les strictes règles de l'époque, exigeait que tous les nouveaux fonctionnaires arrivant à la colonie aillent présenter leur dévotion au gouverneur général et que pour ce faire, ils soient en habit avec col et plastron à midonner et le casque, évidemment, parce qu'il fallait gravir la colline pour aller jusqu'à la résidence du gouverneur. Et c'était un spectacle du plus haut comique de voir ces malheureux qui transpiraient dans leurs costumes européens et dans leurs plastrons midonnés en gravissant la colline par une température. Il était environ 1 heure, c'était l'horaire du bateau qui voulait que ce soit cette heure-là. Et ils gravissaient cette colline par 32 ou 33 degrés à l'ombre, sans qu'il y ait d'ombre, bien entendu.
Mais on ne découvre pas encore l'Afrique telle qu'on l'a imaginée, voyez-vous. Parce que si vous dites, tiens, je vais aller en Afrique, je vais au Congo, les gens se disent, tiens, il va dans la forêt, si vous voulez. Ça n'était pas vrai. Il y avait à côté de nous, n'est-ce pas, des étendues, ce qu'on appelait la brousse, enfin, où il n'y avait rien que de l'herbe, enfin, et des arbres, et ainsi de suite. Mais pas des grandes forêts, ni rien du tout. Nous avons inauguré la ligne du chemin de fer, hein, à ce moment-là. Nous avons été les premiers Blancs à rouler sur le chemin de fer d'Elisabethville à Port-Franqui. Et quelques mois après notre arrivée à Laputa, le roi Albert et la reine Elisabeth sont venus inaugurer ce rail. Donc. Le roi Albert et la reine Elisabeth furent les premiers souverains à visiter le Congo belge. On imagine l'accueil chaleureux que leur réserva la population congolaise tout entière. Après des visites d'usines, des plantations et des camps d'indigènes, le roi et la reine honorèrent de leur présence la fête des enfants à Elisabethville. Le Congo devient une réalité, il est couvert régulièrement dans la presse belge. Dès que le roi se déplace, mais c'est au jour le jour qu'on en parle, il naît en Belgique. Tout un mouvement d'intérêt, des cercles d'études, des petites revues, des brochures, des... Il y a l'université coloniale qui est établie à la même époque et qui va fournir les cadres administratifs. Bon, il y a véritablement une prise de conscience à ce moment-là de ce que le Congo belge est vraiment une réalité. Au mois de juin 1930, c'est la sortie de la messe à la cathédrale d'Elisabethville. Ah, ceci, c'est probablement la fête du 1er juillet 1930, qui était la, entre guillemets, la fête nationale du Congo, l'anniversaire du transfert du Congo à la Belgique. Et nous allons voir le défilé militaire, les autorités qui arrivent. Voilà ici le gouverneur de la province du Katanga qui descend de sa voiture. Et voilà le monument aux morts de la guerre de 14, je crois. Le bon marché. Ça correspondait à quoi? Ceci, le bon marché, c'était le grand magasin de l'endroit qui n'avait évidemment rien de comparable avec le bon marché que nous avons connu ici à Bruxelles. Je ne sais d'ailleurs pas si c'était la même entreprise, mais c'était un magasin où on trouvait un peu de tout. Et disons que tout cet aspect du centre de la ville d'Elisabethville, 10 ans plus tard, c'était exactement la même chose, ça n'avait pas beaucoup changé. Alors ici, non, ce n'est pas notre famille, c'est notre père qui est chez de très bons amis à lui, la famille Brunel. Monsieur Brunel était un avocat qui résidait à Elisabethville, et on voit ici papa qui, le jour de fête, donc le 1er juillet sans doute, rejoint la famille Brunel, où on danse, on joue, les enfants sont à la fête. On voit d'ailleurs que tout le monde a mis ses habits de cérémonie. Regardez. La jaquette était encore d'un usage courant à cette époque-là. Monseigneur Sack, l'évêque salésien d'Elisabethville. Les gens qui habitaient Elisabethville se considéraient toujours un peu à part. Ils avaient l'impression que c'était une façon de vivre plus familiale, plus détendue que dans d'autres régions où le climat était beaucoup plus dur. Et la carte, c'était la boucherie de l'enfant. Oui. Mais ça devait poser des problèmes énormes, la boucherie. Oui, mais c'est en partie pour pouvoir alimenter les gens en viande qu'on avait créé tous ces élevages. Il y avait les problèmes de conservation, par exemple, de transport. Il y avait des frigos, hein? Il y avait des frigos. Ceci, ça doit être la famille Soyer, magistrat Elisabethville. C'est la mine de Kipouchi. Ici, c'est probablement l'Institut Marie-Josée, qui était l'école des filles tenue par les Sœurs de la Charité. Nos sœurs sont allées là-bas pendant la guerre, d'ailleurs, et les bâtiments étaient toujours les mêmes. Une école réservée pour les Blancs, mais qui, dans les années d'après-guerre, a peu à peu été ouverte aux Africains. Voilà, une Sœur de la Charité qui surveille la récréation. Qu'est-ce qu'on vendait au magasin de confection? Bon, pour les Européens, ben je suppose qu'on vendait des vêtements importés d'Europe. Pour les Noirs, c'était surtout des tissus.
tissus soit importés, soit progressivement fabriqués dans le pays. À Léopoldville, il y avait une usine textile qui travaillait d'ailleurs avec du coton qui avait été produit dans le pays. Ceci, c'est une maison typique, telle qu'il en existait tout au début de 1910. Ici, il est probable que ce soit M. Hénen qui était gouverneur de la province du Katanga à cette époque-là. Avant 1910, le Katanga avait un statut un peu privilégié parce que le gouverneur de province du Katanga était vice-gouverneur général, ce qui lui donnait une certaine prééminence par rapport aux autres. Dans les grands centres, la vie était très moderne et même très civilisée, je dirais. N'est-ce pas? Il y avait d'ailleurs déjà pas mal de voitures à cette époque-là, dans les grands centres, des camions. Les routes étaient bonnes, bien faites, tandis qu'en brousse, les routes en latérite, vous savez, elles laissaient souvent désirer, quoique chaque village nègre était obligé d'entretenir tant de kilomètres de route pour le passage des véhicules. Mais en brousse, la vie était tout à fait différente. Votre mère qui est enceinte de vous et qui arrive en Afrique, et on l'accueille, bien. Mais est-ce qu'elle l'accueille merveilleusement bien. Bon, d'ailleurs, à cette époque-là, le blanc était presque un dieu. Hein. C'était, à part les endroits où, encore très reculés, où il était attaqué. Mais sinon, dans la période où maman est arrivée, le blanc, c'était la merveille. Alors, maman a été accueillie et je vous disais, un des signes de joie, ça a été de la faire danser dans son tipoy alors qu'elle était, la faire sauter dans son tipoy alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Elle, ça l'a terrifiée. Alors, mon père, lui, ça c'était aussi très symptomatique. Il ne fallait pas montrer aux Noirs qu'on pouvait avoir peur. Et quand elle l'a raconté à papa, papa lui a dit, mais tu es folle, tu ne devais rien dire, tu ne devais rien faire, tu ne devais pas crier. Parce qu'il fallait montrer qu'on était serein, que ça ne vous touchait pas, quoi. Ça, c'est un endroit où nous habitions, parce qu'en fait, papa construisait des routes. Alors, il a souvent sillonné, nous étions souvent en brousse, dans des gîtes d'étape, et nous avions des arrêts en quelque sorte où on restait quelque temps dans un village avec une maison qui était à notre disposition et tout ça. Et ceci est à Kafakumba si ma mémoire est bonne. Vous voyez, ça c'est déjà la maison avec ce qu'on appelle la barza. Qui entoure la maison et nos chiens. Ils portaient des noms ? Oui, il y avait Follette, il y avait celui-ci, je ne me souviens plus très bien, le petit du fond, c'était Follette. Et ça, qui c'était ? Ça, c'est moi. Donc là, j'étais déjà, oui, c'est peut-être 28, déjà 28, 29. Et qui vous accompagne, madame ? Ça, c'est Chifoufou, c'était un no-boy qui s'occupait plus spécialement de moi. J'ai été en partie élevée par un noir, hein, c'est-à-dire que maman m'élevait avec l'aide d'un nounou noir. Et lui aussi portait un nom, j'imagine, le singe. Non, Kiki. Assez bête, Kiki. Et c'était un singe qu'on vous avait rapporté? En général, presque tous nos animaux sauvages étaient des animaux dont mon père avait tué soit les parents et qui me rapportaient tout petit. On avait un chat sauvage, on a eu un léopard aussi, qu'on a gardé un an presque. C'est de là que je garde, je crois, mon amour des animaux, c'est qu'on a eu aussi un chimpanzé qui adorait boire d'ailleurs. On a eu énormément d'animaux, on les adorait. Il y avait des Noirs qui nous apportaient en effet des oiseaux, des animaux qu'ils avaient capturés. Ou ils nous avaient apporté un serpentin, un énorme bec qui est assez dangereux, assez vindicatif aussi.
Et moi, ayant l'habitude de caresser les oreilles du perroquet, les oiseaux adorent ça, je suis allée près du serpentaire et, inconsciente, j'ai commencé à caresser les oreilles du serpentaire, qui s'est d'ailleurs laissé faire avec beaucoup de plaisir. Et les noirs sont arrivés chez maman en hurlant que j'étais occupée. Eux n'osaient pas m'approcher. Ça, c'est le singe qui a l'habitude de chercher d'éplucher son compagnon et qui, évidemment, ayant une chevelure sous la main, fait exactement la même chose. Et c'est assez drôle. Je suis occupée à me dire si, tiens, est-ce qu'il trouve quelque chose. Ça fait vraiment plaisir de revoir ça parce que il y a des années que je n'avais plus vu ça. Des années, des années. Mais les animaux étaient vraiment intégrés, finalement. Oui, oui, oui. Même certains nous ont parfois sauvés. Dans la maison même, quand on faisait la sieste, il est arrivé au singe d'hurler parce qu'un serpent était dans la pièce. Et à ce moment-là, on appelait les bruits, on faisait chasser le serpent ou l'écraser. Notre léopard, on l'a gardé un an et puis on a dû s'en séparer parce qu'avec nous, il était très gentil, mais dès qu'il y avait des étrangers, ça devenait catastrophique. Alors on le... Ça, c'était ma hantise. J'ai cassé des poupées à cause des araignées. J'en avais une fausse bleue. Elles sont énormes, parfois. Alors, sur les barzas, elles descendent. Alors, moi, dès que j'en voyais une, je lâchais tout. Il est difficile de réaliser quand on a une enfance en Europe, comment peut être une enfance en Afrique. C'est quelque chose de merveilleux. On s'en remet? Ben oui, la preuve, c'est que je suis toujours là. Non, on s'en remet, mais il y a de la nostalgie. Il y a de la nostalgie, ça y est. Vous savez, quand dans un appartement, on vous dit que vous ne pouvez pas avoir de chien ou de chat... Ça semble parfois tellement incroyable, alors qu'on a vécu, on a presque dormi avec le singe. Je suis arrivé à Tazeville, et là, je rentre en stage, n'est-ce pas, je suis adjoint, donc, n'est-ce pas, à l'administrateur en titre. Qui était à l'époque? Peigneux, monsieur Peigneux. Je devais également ramener 5 miliciens. Là, j'avais trouvé le truc, bien que c'était vaguement défendu. Pendant qu'on faisait le recensement, quand je voyais un type devant moi qui m'avait l'air physiquement... J'inscrivais son nom. Hein. Et la première fois, j'ai primé 5 prisonniers, les 5 miliciens. Je les mets je les fais mettre, vous savez, dans une hutte. J'ai été accompagné naturellement d'un sergent et de 3 ou 4 soldats. Et j'ai dit, surveillez-les. Et le lendemain, quand je me suis levé, il y avait là devant ma porte, n'est-ce pas, une trentaine de femmes en train de hurler, de pleurer, et de tant d'histoires. Enfin, c'était toute une histoire. J'ai dit, ma femme, qu'est-ce que peut-être. J'avais avec moi un petit interprète, et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, ce sont les femmes et fiancées, etc., des hommes que vous avez pris. Mais oui, c'est quand même malheureux. Et j'ai appelé le sergent, j'ai dit, ben, laissez-les partir. Vous voyez, le bleu qui est en train de travailler, hein, c'était ça, là, je n'avais jamais fait. J'ai continué mon voyage en cours de route, j'ai pris des miliciens, mais cette fois-ci, vous savez, ça n'a plus pris. Ils ont encore une fois venu pleurer, mais comme ça n'appelait pas, ça ne prenait pas, n'est-ce pas, parce que moi, je devais quand même rentrer avec mes 5 cahiers. Et je suis rentré avec mes 5 filles. Thank you.
Et ils ont aussi le culte de l'enfant. Hein. Maman m'avait appris à monter à vélo, elle était très nerveuse, ça ne marchait pas. Alors le chifoufou que vous avez vu tout à l'heure, il lui a dit, « Apana, c'est plus toi qui continue à apprendre à l'enfant, c'est moi qui vais lui apprendre. » Et avec une patience infinie, il m'a appris à monter à vélo. On avait notre maison et les boys avaient des cases dans le fond du jardin ou de la cour ou autour. En général, c'était comme ça, ils étaient logés. Nous avions des boys. Bon, les uns faisaient plus spécialement un travail que l'autre. Il est un fait qu'il y en avait un qui nous aidait plus à la cuisine. Mais au hasard des nécessités, il faisait ce qui était demandé. Donc. J'avais un cuisinier appelé Samboyo, que j'aurais bien aimé retrouver d'ailleurs, qu'ils ont trouvé un jour étendu en travers de la porte. Ils lui ont demandé ce qui se passait et il a répondu, mais écoutez, il y a un léopard qui rôde dans les environs, alors je protège les bébés, si le léopard veut les attaquer, il me prendra d'abord. Un boy, c'est une personne humaine, comme l'est votre femme à journée. Et pourtant, c'est très mal reçu ici en Belgique quand on parle des boys. On a l'air d'être esclavagiste. Ça ne correspondait pas à la réalité? Ah non. Parce que le boy faisait partie de la famille. Ça sont vraiment des danses typiques, hein. Ce n'était pas encore des danses pour les touristes. Mon père connaissait les significations, d'autant plus qu'il était très lié avec certains chefs. Quand on passe dans des villages, on est accueilli. Le sorcier vient, il se met en grande tenue. Hein. Pour lui, c'est sa grande tenue. Et... Vous savez, j'y ai été habituée toute petite, alors je n'ai jamais eu peur. Je crois qu'on avait dans certains villages à lutter contre l'action du sorcier. Et manifestement, quand la mission était mal accueillie, c'était à cause de l'action du sorcier qui voyait dans notre mission une concurrence redoutable. Mais petit à petit, la confiance a régné, l'indigène se rendait compte des services qu'on rendait, des maladies qu'on guérissait. Et c'était surtout la chirurgie. Celui qui arrive chez vous avec une hernie qui pend par terre et qui, 15 jours après, quitte l'hôpital parfaitement guéri, celui-là rentre à son village et fait la propagande pour la médecine européenne. Et ça, les sorciers ne sont pas capables de créer ce qu'on appelle les chefferies, les secteurs, toute une infrastructure administrative africaine, simplement parce qu'on ne sait pas payer une administration européenne, que par la force des choses, cette implantation générale des Européens, pour toute espèce de raison administrative, commerciale, missionnaire, médicale et ainsi de suite, va probablement nous faire mieux prendre conscience qu'il y a quand même des Africains dans cette histoire. Et on n'y avait pas probablement beaucoup songé jusqu'alors, sauf comme élément de production. Et que dans cette prise de conscience des Africains, il faut aussi bien dire que nous les approchons avec tous les préjugés du colonisateur, du, entre guillemets, civilisé, face un peu aux sauvages. Et donc avec l'idée qu'il s'agit là de gens que nous devons éduquer, qui sont donc des enfants, et qu'il y a un long cheminement à poursuivre pour, oh, je dirais presque, les blanchir, entre guillemets.
Voici le débarcadère de la puissante firme britannique qui domine le marché des oléagineux, les huileries du Congo belge. Cette société possédait un réseau de médecins itinérants et plusieurs écoles dirigées les unes par des pères jésuites, les autres par des pères de scouts. Mais je suis partie au Brousse à Busanga, je me souviens du nom maintenant, juste après mon mariage. C'était le premier poste qu'avait mon mari, une fois marié. Et tout le monde poussait les hauts cris, mauvais climat, rien comme distraction, mais ça ne m'inquiétait pas. Les blancs étaient très rares. En 29, il y avait d'immenses territoires qui étaient parcourus par les administrateurs et les agents territoriaux. Les missions étaient installées, mais de loin en loin. Le père faisait des tournées, et puis alors de rares médecins aussi. Cette jeune fille regarde aux jumelles avec des jumelles. Avec les jumelles de mon père, oui. Ça les amuse probablement très très fort. C'est presque magique. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il montre ? Son arc ? Un arc ? Oui. Ils viennent montrer leurs armes. Toutes les fêtes sont rythmées par le tam-tam. Ce sont des tam-tams faits en peau tendue avec de la cire qu'on fait chauffer au feu pour bien tendre la peau. Et alors, ils s'envoient des messages de village à village. Ainsi, quand mon père arrivait, le village était toujours averti plusieurs heures à l'avance, parfois même la veille, de l'avenue du Muganga, c'est-à-dire celui qui rend la vue, qui rend la lumière. Des petits poissons, parce que parfois ils en ramènent de très gros. Et là, on est occupé à piler, ou bien le mil, ou le maïs, ou le manioc, pour faire le boukari. Mais les missions étaient extrêmement actives, elles avaient toutes des dispensaires et des écoles. Et elles s'occupaient vraiment beaucoup du bien-être de la région. Les missionnaires étaient partis, évidemment pour prêcher l'évangile, mais aussi pour s'occuper du bien-être des populations qu'ils rencontraient. Le bien-être, c'était d'abord soigner les maladies, je pense. Mon père a été engagé donc en 29 par les pères de Scout, à un moment où le gouvernement trouvait que ce n'était pas la peine d'envoyer un médecin oculiste au Congo, qu'il n'y avait pas suffisamment de maladies des yeux. Alors que les pères de Scout l'ont engagé justement parce qu'il y avait beaucoup de maladies des yeux dans la région. Donc il était payé par les missionnaires. Ça, ce sont des aveugles qui sont conduits alors par des enfants. Ce sont les aveugles que mon père a rencontrés et qui l'ont incité à rechercher quelle maladie il pouvait avoir et comment il l'attrapait. Alors, il a découvert que
C'était l'orchocercose. Et c'est une maladie qui n'était pas connue, qui n'était pas recensée en Afrique. Des files interminables de malades affluent vers le poste médical. La lèpre, la variole, le paludisme, l'onchocercose, pour ne parler que des maladies tropicales les plus connues, ravagent des régions entières. Il est bon de rappeler le travail remarquable réalisé par des médecins itinérants visitant de 100 à 800 personnes par jour. L'infrastructure médicale sans cesse plus efficace permet d'enrayer et de vaincre la plupart des fléaux. Et voilà probablement un dispensaire de papa, son microscope, son infirmier. Et vous voyez, ce sont ces bosses sur la tête, la figure, ce sont des nœuds de filaires. Les filaires, c'est le ver qui se développe et qui va se fixer sous la peau. Et la maladie se développe. Ça s'attrape par cette piqûre de mouche, la simulie. C'est une maladie qui devient grave après 30 ans. C'est une maladie très lente en évolution. Et là, il est occupé à couper les filaires. Il entre un scalpel dans cette nodosité et puis, sans retirer le scalpel, il taille d'un côté et de l'autre pour couper ces filaires en plusieurs morceaux. Elle meurt. Je me suis beaucoup occupée des Noirs qui habitaient sur ma parcelle, comme on disait, et de leurs femmes et de leurs problèmes, et venaient me raconter. Et j'écoutais, j'étais toujours disponible à les écouter. Cuisinier à bord de maison et qui lavait, qui repassait, qui faisait le travail ménager. Alors, comme j'avais du temps disponible, je leur ai appris à lire, à tous les deux. Et je leur ai appris le français parce qu'ils ne connaissaient pas le français. Et puis, dès ce moment-là, nous avons pu converser vraiment ensemble. J'ai pu un peu les interroger sur leurs coutumes, sur leurs croyances. Et c'était bien vu? Ah, je crois que ça ne devait pas être très bien vu de la société européenne. Parce que à cette époque, il n'y avait vraiment pas beaucoup de contact entre blancs et noirs. Et certaines de mes amies me critiquaient et m'ont dit, mais enfin, pourquoi est-ce que tu t'occupes d'eux comme ça? Mon père construisait des routes, faisait des travaux de terrassement, en quelque sorte, c'était son travail, il défrichait la brousse pour en faire quelque chose où on pouvait circuler, où on pouvait amener du matériel, amener des gens. Il n'avait aucun diplôme. Il a été à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans et c'est tout. Donc il n'avait même pas fini sa primaire. Il s'est fait sauter. C'est vraiment le vrai gentleman, enfin, le self-made man, l'homme qui s'est fait lui-même. Mais avec une tête
une intelligence, un esprit fantastique. Et j'ai toujours été, moi, la petite mère. Ça n'aurait pas été possible en Europe, parce qu'en Europe, il y a une différence de classe. Il y a un système de classe, alors qu'en Afrique, ce système était tout à fait effacé. Nous étions des Européens, une grande famille, et je pouvais très bien voir la femme d'un porion, d'un mineur, sur un pied d'égalité. Du moins en brousse, hein, pas dans les villes. Dans les villes, ça devenait de nouveau différent. Les Portugais étaient mal considérés parce que beaucoup d'entre eux allaient en brousse faire du troc avec les indigènes. Et comme c'était au départ des Portugais de petite souche, de petite classe et de petits moyens, ils vivaient comme des indigènes. Ils logeaient dans les cases indigènes. Ils se nourrissaient à peu près comme les indigènes. Et à ce point de vue-là, ils enfreignaient une règle essentielle qui était celle de la colonie à cette époque-là, qui était celle de préserver l'image et le respect et le prestige de l'Européen. Quand mon mari et mon père parlaient de leurs infirmiers, ils trouvaient que les Noirs étaient doués pour ce métier de médecin, qu'ils avaient appris avec les médecins, qu'ils avaient le flair, ils avaient bien souvent la charge d'un dispensaire et la tenue des livres, le soin des malades pendant l'absence du médecin qui passait tous les mois ou tous les 15 jours. Et mon père et mon mari disaient qu'ils étaient capables de remplir convenablement un rôle de médecin. Et pourtant, ils ne seraient jamais médecins. Et pourtant, ils ne seraient jamais médecins parce qu'ils n'avaient pas été à l'école suffisamment. Ils n'avaient pas été à l'UNIF. Et il faut un diplôme pour être médecin. À Elisabethville, très exactement le 30 juin 1930, et c'est l'examen des recrues à l'Office central du travail du Katanga. C'était un service créé à l'initiative, je crois, des employeurs et du gouvernement, et qui avait pour but d'assurer un recrutement régulier, dans le sens à la fois de la régularité dans le temps et de la régularité par rapport aux prescriptions légales, de la main-d'œuvre. Et alors ces gens venaient passer un certain temps dans un camp où on les formait. Une mise en condition. Une mise en condition, physique aussi. On sonne l'appel pour le repas, vous voyez, en bas du tambour. On voyait éclore en Afrique un tas de sociétés qui n'avaient pas de base véritable et qu'on devait considérer comme des créations de spéculation. Les actions montaient à la bourse, et alors qu'elles ne représentaient absolument rien en Afrique, si ce n'est quelques hectares de concessions avec un mauvais hangar de planches où un noir vendait des cotonnades et du pétrole aux indigènes. Et que s'est-il passé? Eh bien, alors la crise au Congo a été extrêmement sévère, et on a vu toutes ces sociétés factices, et même celles qui n'avaient pas les pieds solides, faire faillite. Et vous-même, vous avez été... Et nous-mêmes, même de la Société des huileries du Congo belge, qui était une émanation de la compagnie Lever, qui est une compagnie mondiale, a souffert de cette situation. Et on a envoyé d'Angleterre un émissaire qui avait des pouvoirs absolus, qui a décidé de toutes les stations qui n'étaient pas rentables et qu'on devait fermer. Et le service médical, qui comportait, je crois, 25 médecins à cette époque-là, a été réduit à 5.
c'est un marché de coton. Les gens apportent leur récolte qui est pesée et puis ils sont payés. À la période de la récolte, il y avait des jours qui étaient annoncés et l'agent cotonnier qui procédait aux achats se déplaçait de poste en poste. L'usine de coton est devant l'usine Le Marché. Alors ici, nous voyons une usine à coton. Donc, une des choses que mon père devait faire au cours de ses voyages, c'était de visiter toutes les usines d'égrenage de la société dont il s'occupait. C'était des usines qui utilisaient généralement un matériel d'origine américaine et il fallait voir si l'usine était en bon état, si tout était bien géré, bien réglé. Ici, nous voyons toute la nappe de coton qui sort de la machine, les graines ayant été éliminées, et c'est un espèce de matelas de douate, si vous voulez, qui sort de là, qui sera par après retraité, filé, et ainsi de suite, jusqu'à faire le tissu dont on vêtait les gens. Voilà, ici on est en train de faire une balle de coton, probablement, je suppose. C'est la presse à coton, c'était un peu le centre de ces usines, puisque c'est de là que sortait le produit fini. La plupart des entreprises belges qui étaient actives à cette époque-là en Afrique avaient le sentiment que, outre leur activité strictement commerciale, elles avaient une certaine mission sociale. Au début, ça s'exprimait d'une manière affreusement paternaliste. Je crois qu'il faut le savoir. Enfin, une manière qui nous semble aujourd'hui paternaliste. Mais ces entreprises ont créé des hôpitaux, ont donné aux gens des logements décents, ont donné aux gens une instruction, une éducation, et tout ça, c'était considéré comme entrant dans le rôle normal d'une entreprise, et si elle ne l'avait pas fait, eh bien, je crois qu'elle se serait fait mal voir. Et c'était un élément qui était très présent dans les préoccupations des dirigeants des entreprises de cette époque-là. La Coton Co, par exemple, avait tout un réseau d'hôpitaux, de services sociaux et de choses de ce genre, à tel point d'ailleurs que mon père a été à un certain moment président d'un comité consultatif de l'assistance sociale au Congo, parce qu'on reconnaissait, en le nommant à ses fonctions, que les entreprises dont il s'était occupé avaient vraiment eu un souci de développement social. Oui, là, c'est votre père qui est à droite. Je suppose qu'il prend l'apéritif avec ses hôtes. Il ramasse un papier. C'est peut-être une lettre qu'il a reçue de Belgique. Le petit noir était sans doute... J'ai l'impression que cet enfant est pris en charge par la famille, parce qu'on le voit à tout moment. Oui. Il y avait quand même une tradition dans beaucoup de familles européennes d'avoir soit le fils d'un boy, soit un petit enfant recueilli ou quoi. On appelait cela à l'époque en Kiswahili, en tout cas au Katanga, un pikinin, c'est-à-dire un petit. Un petit qui était là et qui participait un peu à la vie de la famille, qui se rendait utile par de menus services. Dans notre mentalité d'aujourd'hui, c'est difficile à comprendre, mais voilà. C'était une adoption ? Une prise en charge à certains égards. On l'envoyait parfois à l'école, parfois on ne l'envoyait pas à l'école. Il rendait certains services ou il n'en rendait pas. C'était un statut de familier, comme dans les grandes familles romaines, si vous voulez, un petit peu. Mais tout ça, c'est à remettre dans le contexte d'une époque d'il y a 50 ans. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible et inimaginable. Je ne dirais pas que c'était nécessairement un aventurier, non. Mais je crois que c'était quelqu'un, comme les Belges le sont traditionnellement, qui avait beaucoup de bon sens, qui avait du réalisme et l'ambition de réaliser quelque chose de concret. J'ai l'impression que les gens qui ont développé le Congo belge vers ces années du début du siècle et jusque vers les années 50 n'étaient pas des gens qui faisaient beaucoup de philosophie, mais des gens qui surtout voyaient les réalisations concrètes. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui a différencié la colonisation belge
de la colonisation française ou de la colonisation britannique. Ce dont il faut se rendre compte, c'était les conditions de vie des Européens à l'époque. Ils partaient pour 3 ans, hein, et éventuellement avec leurs femmes. Et alors, ils restaient dans ces régions relativement perdues. Il n'était pas question de congés, etc. On rentrait simplement à l'issue de son terme. Donc, toute l'existence était vraiment basée en symbiose avec le milieu local, le milieu africain. C'était le départ d'amis qui avaient plusieurs enfants et on nous avait... Je me souviens de ça. On veut montrer comme si on avait une classe. Et alors, bon, le temps passe et arrive la fin du terme. Ça a été précipité parce qu'on est revenu un mois plus tôt qu'on le croyait. À ce moment-là, il y avait la crise au Congo. À Kamina, la salle de danse était remplie de meubles parce que tous les Blancs rentraient en Belgique et ils ne savaient pas remettre leurs meubles aux successeurs. Et mon père a dû revenir un mois plus tôt et nous sommes repartis pour la Belgique. Tout ça en train, les déplacements? Ah oui, en train, oui, uniquement en train. Et nous sommes allés jusque Port-Franqui. À Port-Franqui, on a pris le bateau. C'était un bateau de l'UNATRA avec une grosse roue à l'arrière qui marchait donc uniquement au bois. Il s'arrêtait de temps en temps aux coupes de bois pour charger le bois. Ils s'arrêtaient parfois, alors les petits noirs venaient voir le bateau, ils nageaient, on leur jetait des pièces de monnaie et les crocodiles arrivaient parfois pour les surprendre, mais on leur faisait signe et ils se sauvèrent. Quand je suis rentrée en Belgique, je suis rentrée en deuxième primaire, donc on m'a mis à l'école. Alors là, je me suis trouvée complètement dépaysée avec tous ces enfants. Parce que, bon, comme à tout le monde, on demande, hein, citer les arbres, les fleurs que vous connaissez ici et ça. Moi, je ne connaissais qu'un seul arbre et c'était l'eucalyptus. Et cet arbre-là, eh ben, il n'y avait aucun enfant de ma classe qui les connaissait. J'ai tout découvert, j'ai tout découvert. La neige, pour moi, ça a été quelque chose de merveilleux, parce que je me suis réveillée un matin et quand j'ai vu tous ces flocons tomber, il paraît que je suis restée toute une journée derrière la fenêtre à regarder ces flocons tomber, j'en revenais pas. On revenait dans le pays civilisé après avoir vécu pendant 2 ans en manquant à peu près de tout. Surtout ceux qui étaient en brousse, qui n'avaient ni électricité, ni les commodités, ni l'alimentation européenne, ni les vêtements. Ni... Nous faisions des économies tout au long du terme parce que nous avions de gros frais pendant un séjour de 6 mois en Belgique. Louer un appartement, habiller les enfants si on restait l'hiver et réhabiller tout le monde pour retourner en Afrique parce que la vie était beaucoup plus chère qu'en Belgique. Hein. Je crois que les coloniaux étaient à la fois un peu enviés parce qu'ils connaissaient une situation matérielle souvent plus prospère. Il y avait une coupure, probablement que le changement de mentalité est relativement mal ressenti,
Il y avait une nostalgie. Je crois que tout ça était très complexe et peut-être un peu confus. Je savais à l'époque, quand on est rentré, je dis, on était des bêtes curieuses. Hein. On allait dans tous les villages, on allait voir tout le monde, et puis c'était la grande réunion. On nous regardait. Moi, par exemple, on me disait, oh, mais tu es né là-bas, mais t'es pas noir. Ça, c'est une réflexion qu'on m'a très souvent faite. Hein. Vous ne comprenez pas. Ben, le séjour en Belgique était une grande foire. Hein. On se précipitait au restaurant, manger des huîtres, manger des homards, manger des escargots, tout ce qu'on n'avait pas là-bas. Et on recherchait aussi les plaisirs de la mer ou de la montagne selon la saison à laquelle on arrivait en Belgique. Et comme on avait peu dépensé à la colonie, on avait beaucoup d'argent et on menait une vie de riche possédant pendant toutes ces vacances qui étaient, si vous voulez, l'exutoire ou le contrepoint de la vie de privation qu'on avait mené là-bas. Sans pour ça dire que nous gardions un mauvais souvenir de la colonie et de l'Afrique, parce qu'on y retournait toujours avec énormément de plaisir. Ceux qui vécurent en Afrique affirment volontiers avoir gardé un palmier dans le cœur. Cela ne veut pas dire qu'on ait renié ses racines, loin de là. Et ce n'est pas un hasard si à quelques milliers de kilomètres de nos provinces, on disputera de retour au Congo, comme ici à Elisabethville, une partie endiablée de Malpelote. D'autres, sans oublier de fréquenter régulièrement les cercles à la mode et de pratiquer natation ou tennis, restent fidèles à cet autre sport bien de chez nous, la colobophilie. Sous le climat du Congo, on ne sait pas très bien qui du pigeon ou du maître est le plus à plaindre. À quelques centaines de kilomètres de là, la vie africaine se poursuit imperturbable, suivant un cérémonial qui semble remonter à la nuit des temps. Une autre forme d'identité qui s'exprime parfois dans des activités bien difficiles à apprécier pour les Européens soucieux avant tout d'apporter la civilisation.